tout le monde, on reprend l'aventure sur Farthest Frontier et je viens d'accueillir 6 petits nouveaux qui ont demandé de rejoindre la communauté pile au moment où j'ai relancé la partie. Donc je vais leur construire une petite maison. Alors, qu'est-ce qui se passe là déjà? Là, il y a quelque chose qui se... Allez, ils sont en train d'étaler, d'accord, oui, voilà. Alors on attend la fin du boulot. Et normalement, ça devrait faire de la place pour une ou deux... Ah oui, une ou deux maisons. Alors, je peux vous dire que le FPS varie fortement. Là, je suis à 60. Là, je suis descendu à 20. Je suis revenu à 60. Ouais. Il y a encore un petit peu d'optimisation à faire, hein, les développeurs. Mais bon, le jeu est loin d'être vendu. Allez, hop, on va te mettre là. Ouais, et je n'ai pas assez de ronds, là. Est-ce qu'il me coupe ça? Ouais, là, ça se fait. Donc, on va vérifier. Tous ces arbres sont marqués. Alors, un marché débordant d'activités nous aiderait à produire plus d'or et inciterait d'autres colons à rejoindre notre ville en plein essor. Les marchés approvisionnent les logements et produisent de l'or en fonction du nombre de maisons présentes dans le rayon d'accès. Alors, un marché. Est-ce qu'on peut... La faune locale a entraîné des pertes de culture. Oh non, ça bouffe mes... Ah, non, zut, c'est vrai qu'il faut empêcher... Ah, il faut que j'entoure de... Ok, on va mettre... Ah, comment je vais m'y prendre? Je peux pas entourer le champ à cause de ce qu'il y a autour. Donc je vais faire une barricade tout autour, tout simplement. Ça va demander des rondins. Ouais, pas grave, pas trop le choix. Alors... Ça demande 22 rondins. On m'a demandé est-ce qu'on peut aller au-delà. J'ai l'impression que je peux, ouais. Apparemment. Ah oui, oui, voilà, oui, il y a une grande région. Et là, c'est la zone visible de mes bonhommes. Et on peut aller au-delà, oui, c'est vrai. On l'a vu au tout début, la taille de celle-ci. Alors, déjà, je vais faire ça. On va inclure. Hop, voilà. On va lancer ça et on a déjà. Ouais, ici, donc on va passer comme ça et on va fermer complètement le village parce que... Ah, et alors avant de lancer, je vais tout de suite marquer la porte là. Bon. On a plus de monde. Ce qui veut dire plus de bûcherons. Et le marché. Marché. Là. Ouh. Ah. Alors j'aimerais bien mettre ça là. Sinon, je te mets là. Encore la faune locale. Oh là là, ils sont en train de dévorer mes champs. Oh là là. Bon. Je pourrais te mettre là. J'aimerais tellement le mettre là. Le plus proche que je peux faire, c'est ça. Est-ce que ça inclut pas les maisons qu'il y a là-bas? Ouais, bon. On va aplatir encore plus là, déjà. On va le mettre là, le marché, tout simplement. Ça va être dans... Aplanir le terrain. Voilà, 400 de boulot, mais ça va valoir le coup, je pense. Côté bois, on commence à en obtenir un petit peu plus. On a du bois de chauffage, on n'a pas beaucoup de planches. Est-ce que j'ai... J'ai pas de forestier, hein. D'accord. Et si on veut passer au level suivant, il nous faut des planches. 32 populations, il nous manque un bonhomme. Et le marché. Bah franchement, on y est vraiment pas loin là. On va pouvoir passer au level suivant, technologique, d'ici peu. Et ça y est, c'est... tout a été bouffé, c'est ça qu'on me dit. Absolument tout a été bouffé par le bétail. Ou le gibier. Ouais, on était encore... Ah là là. Mes chasseurs, ils font quoi en plus? Ah là là. Bon. Alors on a le droit à une autre école, de toute façon avec la on tient le coup avec la viande apparemment. Mais on a le droit à une autre école donc... Alors j'espère que quand il coupe ses arbres, il récupère le bois. Parce qu'il y a deux, on peut récolter les ressources et dégager. Et je sais pas si là ils font le... La tâche dégagée ou quoi. Et ça commence à... Non ça reprend pas encore, faut attendre la fin de... On est à 10 de bois. Ici. Ça y va. Je pense qu'il va se passer à l'or qui est là. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais je pense que je peux poser le marché. Non. Oh. La pente est trop raide.
Ouais, on va le refaire, c'est reparti. Ok, bah on va y arriver un jour. Alors ça, il faut vraiment le déplacer, parce que je me suis rendu compte qu'il y a également du charbon en plus de l'or là. Donc ça, il faut dégager ce bâtiment, il est pas au bon endroit. Le problème, c'est qu'il va me coûter des ressources. Il va me coûter des ressources. On va le mettre là. Voilà, faites-le là-bas et on va démonter ça. On tire bien entendu la route. Okay. Et après ça, ça va partir. Ça bosse, ça bosse. Ça, je sais pas si je peux m'en débarrasser un moment. Et donc, plus qu'une planche. Bon, on va perdre des planches pour la construction de là-bas. Et pour la construction du marché. Toujours pas assez de bois. Oh là là. Alors. Plus d'arbres marqués. Voilà. Ah, je voulais pas marquer ça. Je vais marquer les arbres, mais c'est vrai que ça avait désélectionné. En rechargeant, ça a désélectionné le filtre, les filtres que j'avais mis dans l'épisode d'avant. C'est pas grave. Alors. Ça fait pas exactement ce que je souhaite. On va te mettre là, mais le problème c'est que si je te mets là... Ah, si je te mets là, je peux tout inclure. Oh bah parfait. Quasiment toutes les maisons, en dehors de celle qui est là-bas. C'est pas grave. Mur et chemin. Ça. Donc, plus que 10 planches. Va falloir booster la production là-dedans. Toi, t'es fait. Alors. Comment on détruit un bâtiment là-haut? Recycler le bâtiment, ouais. Et récupérer 50% des ressources. Parfait. Ah, ok. Là-bas. Encore un peu de boulot. Avant de pouvoir... J'espère que faire une zone fermée grande protège quand même le champ. Et qu'il n'y ait pas besoin, vous voyez, de se mettre une petite barrière autour. Parce que là, il me faudrait retirer le puits, puis ça, pour passer là. Ah, deux villageois sont nés. Et deux ont rejoint. Alors, est-ce que ceux qui ont rejoint sont ceux qui sont nés? Non. Ah, c'est peut-être les deux enfants d'avant. Non, non. Ce sont des nouvelles arrivées. Parfait. Plus de main-d'œuvre. Alors, bah, je vais faire une autre maison. Est-ce que ça utilise... Non, ça utilise juste ça. On va te mettre là. Voilà. Comme ça, s'il y a du monde, on les accueille. Là, on a les ressources. Combien de planches ont été récupérées? Ça me dit pas... Ah, si, 8 planches. Bon, c'est pas mal. Oh, il y a une vannerie qui est intéressante, mais il me faut... une cabane de cueilleurs. Le problème, c'est que je n'ai rien à cueillir à proximité. C'est ça le problème. Donc, je peux faire la cabane de cueilleurs pour faire la vannerie. La cabane de cueilleurs. À quoi elle ressemble? Ah, ça ressemble. C'est en production de nourriture. Ça va être celle-ci. Ça coûte que ça. Bah, je vais la poser. Et on va la détruire ensuite. C'est juste pour débloquer les technologies liées. Ah, ça y est, le marché est là. Et donc là, on va générer d'argent. Ouh! Qu'est-ce qui se passait là? Ok, sauvegarde en cours. Donc je suppose que Cladon, l'employé, va ramener la nourriture et les ressources là et les revendre aux maisons. Et on n'a toujours pas assez
de bois. J'ai regardé dans la liste, je n'ai pas vu de... Alors, de forestier. Côté rush, on est bon. Voilà. J'ai pas vu de forestier, ce qui m'inquiète un petit peu parce que du coup, je ne sais pas comment replanter les choses, les arbres. Peut-être dans les champs? Non, ce serait pas dans les champs. Alors, là on va avoir une récolte de 267. Ouh, un blizzard approche. Ok. L'hiver arrive. Ah, je peux pas. Ajouter du sable? Oh! Ajouter de l'argile ou du sable? Oh! D'accord, donc là on est dans le rouge. Si je veux plus de production, il faudrait être au milieu. Et il faudrait rajouter de l'argile. Oh! Oh, alors on n'a pas d'argile. Donc ouais. Ah, il n'y a rien à proximité. Ah, je peux relocaliser le bâtiment? Tiens, j'ai même pas. Ah, a été attaqué par un prédateur. Ouh, survécu de justesse, je vois. Mais là, on est beaucoup, ce qui est cool. Donc, du moment que s'il y a quelqu'un à attaquer, il y a probablement quelqu'un à proximité. Ouais. Alors, toi, j'aimerais te désactiver, en fait. Et juste... voilà. Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un là-bas. Et donc, maintenant... on va dans ressources. Et je peux faire la vannerie. Oh, oh, va... oh. Ok, ok, ne construisez pas, attendez. Je veux pouvoir faire monter ça de level, donc je veux les 6 dernières planches. Et pour ça, il va me falloir du bois. Et même si j'en ai marqué, je pense pas que ça va suffire, j'en ai marqué un peu là également. Je vais vraiment tomber à court de bois à un moment. Là, tout le monde coupe le bois. Ah, lui utilise un chariot. J'ai quelque chose qui fait des chariots, je me rappelle plus. J'ai dû le poser. J'ai dû poser quelque chose qui fait des chariots. Oh, on en a peut-être quelques-uns en stock. Oh, c'est joli. Regardez le relief, les routes. Oh, j'adore. J'adore. Bon. On peut mettre jusqu'à 4. La question, c'est combien est-ce que j'ai? Éduqué 8%, apte au travail 30. Ouais, mais ça m'aide pas. Combien est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de boulot? Ah, il y a 15 ouvriers. Donc je peux effectivement... ah bah ouais, mais si je mets plus de monde dans la série, je perds mes rondins plus vite. Donc au final... ouais. Alors, la neige part. On est à 38 sur les 40 qu'il me faut. Ça ne va pas tarder. J'ai refait un petit stock... de bûches, mais ça n'a pas duré vu que bon, on a du bois, le stock de bois à brûler à refaire. Alors, et on a une nouvelle naissance, mais plus de place pour les maisons, dans les maisons, pardon. On peut te mettre là. Et je pense qu'il va falloir voir pour faire un petit peu de déco pour augmenter la qualité du voisinage. Ça demande des planches. Tout demande des planches, donc ça va devoir attendre. Un pot annuel prélevé. Ouh, 36 lingots d'or. Alors pourquoi est-ce que j'en ai que 25? Ok. Alors. Au passage, j'ai vu le bonheur était à plus de 95%. Encore? C'est incroyable! En plus, elles sont en formation et tout! Je peux rien faire? Je peux rien faire, hein. Je peux même pas demander de les chasser. Ouais, alors on va fermer là. Le problème, c'est que les années passent tellement vite que... eh. Il va peut-être falloir faire des défenses aussi.
Voilà. Ça, oh purée l'orage. Ça va coûter du bois, mais c'est pas grave. Un petit peu, mais bon. Ah, plus qu'à attendre des planches. Une fois que c'est fait, je vais lancer la construction. Prédateur. Oula. Ah, je peux pas sonner l'alerte ? Fais-le vite. Ok. Eux n'ont pas d'eau. Incroyable. Ah, non, ça, ils ont reçu de l'eau. Ok, c'est juste une question de temps. Ok, ça, c'est l'ours. On peut pas le dépecer ? Apparemment pas. Ah, et là, plus qu'un peu de boulot. Il me reste une biche dans mon champ, ça devrait aller. Ah, la récolte a commencé. Ok, la récolte a commencé. Je crois que c'est la première vraie récolte qu'on va avoir. Ok. Maintenant. Ouh! Oula! Eh bien. Le cellier est plein. Viande fumée et... D'accord. Bon, faudra un deuxième, du coup. Ça demande juste de la roche et ça. On va te mettre là. Voilà. Comme ça, on en aura un deuxième. Un nouveau-né et deux villageons. On rejoint le village purée. On se développe rapidement. Hein. Là, je me demande si je peux le démonter. On va recycler le bâtiment. Parce que bon, c'est moche de voir les pop-up. Et là, ça a l'air de revenir régulièrement. Est-ce que je fais un autre puits ? On peut améliorer le puits, mais il nous faut du fer qu'on n'a pas encore. Alors, ah. 96. La prochaine amélioration va être difficile. Mais là, du coup, on a débloqué la loge de guérisseur, comptoir de commerce. Ouh, ça, c'est bon. Ensuite, l'école, la taverne et l'attrapeur de rats. L'école, ça demandait 100 d'or. Ça va être pas possible. Comptoir de commerce, ça demandait juste des planches. Ok, on va le faire le plus vite possible, faire des planches et de la roche. Loge de guérisseur, c'est pas bon. Alors, logement, ça. Il nous faut un hôtel de ville rang 2, une charreterie. Je n'ai pas encore la charreterie. C'est ça qu'il faut. Ça, c'est jouable également. Le grenier pour le grain, important. Faire des tonneaux, chambre forte. Réserve d'or. Ah, je suppose qu'avec de l'or, on va commencer à attirer les ennemis. Tellement de choses. Oh là là. Ah, alors. Ouh, ça produit pas mal d'or. Je suppose que je les chope au bout de l'année. On a un nouveau-né. Là, je fais un puits parce que ce puits arrive à court d'eau régulièrement. Et alors, je me suis rendu compte que l'on peut maintenant faire de nouvelles routes. Mais c'est 20 de roche par, par segment. Ce qui picole quand on regarde ça, ça coûte juste de la main d'œuvre. D'accord, donc ça... Ouais. Ça doit attendre. Alors, là, ce que j'aimerais... C'est des mines. Ouais. On n'a pas une carrière. D'accord. Alors, j'ai une mine de charbon, d'or et de fer. Mais pas de carrière. Ce qui veut dire que je vais devoir récupérer tous les cailloux à la surface. À moins qu'il y ait un rejet de cailloux à des autres endroits.
Et là, je me rends compte que pour ça, il me faut 250 d'or, donc ça va attendre. Et ça, il faut où, là? Il faut, vraiment... Ça coûte cher. Un chêne. Okay, ah, pas d'eau. On est à 29 sur 250 d'eau, d'accord. Oh, oh. Un villageois a des vers. Assurez-vous que vos villageois disposent de chaussures, savon et eau propre. Alors, les déchets sont bien évacués. Mais, ouais, alors... service. Guérisseur. Ah, j'ai pas assez d'or. Et j'ai pas d'argile. J'ai pas d'argile dans la zone. Alors, j'espère juste que le gars ne va pas répandre la maladie aux autres. Répandre. Ouais. Il me faut vraiment... C'est quoi ça? Ah, c'est le nombre de maladies. D'accord, c'est... la maladie est tellement importante que c'est la première info qu'il partage là-haut. D'accord. On va faire le comptoir de commerce. Ouh, il est grand, lui. Il est grand. Et apparemment, il n'est pas impacté. Ok, on va te mettre là. À côté du cimetière. Ok, c'est là. Je peux pas faire là. Bon, c'est pas grave, les gens vont marcher par terre. Hein. Sur la terre. Marcher par terre. Bon. On va faire un peu plus de cailloux. Voilà. Il y en a combien de chômeurs? Il y en a 12. Ce qui fait, si je regarde là, 33% de chômeurs. On a un peu de mal à atteindre là, je vois, pour finir la palissade. Donc je pose une route. Et ça fait assez joli jusque là. Et s'il y a besoin, on va avoir un accès rapide à ce coin-là. Ensuite... ici, il va me falloir quand même un peu d'espace pour le développement. Ouais. Voilà. Ça va être le segment suivant. Ça, c'est rang 2, mais 3 de bois au lieu de 1. Là, je veux juste empêcher les animaux de rentrer. Donc, je veux pas tellement vraiment une muraille ou une palissade haute. Je veux plus une barrière pour empêcher le bétail d'accéder à mon village. Et de bouffer mes légumes. Alors, du coup... on a pas mal de viande fumée. 1700 de viande fumée. Alors, j'ai l'impression que... qu'une partie est cachée, c'est moi ou... moi, on peut pas voir ce qu'il y a du côté droit. C'est quoi ça? Alors, je veux de l'argile. Épices. Je peux pas acheter l'argile. Est-ce que j'ai pas de stock pour... non, parce que j'ai des choses dont je n'ai pas de stock. Ok. Purée, c'est bizarre ça. Un poids annuel prélevé. Mais j'ai toujours un paquet d'or dedans et ça correspond pas tellement. Est-ce qu'on me pique mon or? Alors j'ai vu une salle. Des revenus. Encore des pertes de culture. École, taverne, attrapeur de rats. Non. D'ailleurs, le gars qui est malade s'est rétabli.
Alors je peux faire du miel avec un rucher, ce qui coûte pas trop cher. Bonus de miel. On va le mettre là. On va en mettre deux. Parfait. J'espère que ça va pas bloquer la route. Ensuite, au plus de bois. Allez, me couper ça. Voilà. On passe par la porte. Tac, tac, tac. Encore des paires de culture. Les fermiers, là. Ah bon, c'est pas comme si on avait des problèmes de nourriture. Et là, je regarde pour placer une tourelle. Je vois que certains endroits génèrent beaucoup plus de points de défense avec la hauteur. Genre là, c'est quasiment 0. Là, c'est plus 4. Plus 5, plus 6, pas mal. Donc les hauts plus 9, si je les mets là, les mettre ces tourelles au bon endroit va avoir un bel effet sur la défense. Donc faut s'en rappeler de ça. Je suis toujours en train de poser mes palissades, mes barrières. Qui ça? Je peux pas lui cliquer dessus, mais il arrive au comptoir de commerce. C'est un marchand donc. Ah! Là, je devrais avoir accès à l'argile. Non? Non, toujours pas. Bon, bah tant pis. Hein. Est-ce que tu veux racheter peut-être un peu de viande? On va mettre 220 et on va voir ce qui va se passer. Pour comprendre comment fonctionne ce système. Ensuite. Alors, si je veux une mine de fer, il faut une charreterie. C'est où déjà? Oh non, un bâtiment est en feu! Ça, ils vont chercher l'eau au puits. Ouh, et le feu se répand case par case. Oh, il y a quelqu'un qui est allé au milieu du feu? T'as pas peur, toi? Ok, premier incendie dans mon village. Ça m'a fait un petit peu peur, mais... Alors... Ouais, la charreterie est nécessaire. Elle n'a pas besoin d'être un endroit particulier, donc on va la mettre là. Ça. Je vais pouvoir faire des chariots. Et je vais pouvoir débloquer les mines. On va faire d'autres maisons parce que je commence à être juste en emplacement. Deux maisons. Comment je vends? Je veux pas l'acheter, vous voyez, acheter, vendre, mais... Ah bah il est parti. Je dois avouer, je comprends pas trop le... Ok, alors, peut-être que je peux le bouger millimètre par millimètre. Ok, allez, hop, hop. C'est bizarre ça, mais ça fonctionne. Allez, ah, c'est bon. Ok, ouais, à voir, on verra. Bah, ferme. Elle veut plus fermer. Oh, oh. Maintenant que je l'ai déplacée, elle veut plus fermer. Si j'ouvre une autre fenêtre. Ah, ouais, bon, ça se voit que c'est encore un peu en cours de développement. Mais hop, c'est réglé par un petit reboot. Parfait.
Oh. Prédateur. Ah. Ah, oui. Oh. C'est quoi, c'était un renard? C'est probablement un renard. Mais pas de problème. Alors, oh, ils ont fini là. Ils ont fini là. Ben, on va pouvoir barricader la base, en fait. Hein. Tac. Où est le... Ici. Voilà. Voilà. Mais il va nous falloir plus de bois pour tout ça. J'essaie de préserver la forêt là où il y a les animaux parce que je sais pas quelle va être la conséquence. Oh, c'est moi. Où il n'y a plus les animaux. Il n'y a plus les animaux. Oh oh. Parce que ça arrive quand même à chasser, donc c'est bon, mais... C'est peut-être juste le symbole qui a disparu, ils sont toujours là, je sais pas. Ma charretterie. Ça, c'est la vannerie. Et la charretterie est là. Donc, matériaux requis, 20... Ah ouais, il va me falloir une autre scierie. Hein. Ah non, pas besoin d'une autre scierie, surtout... On met deux bonhommes de plus, et je vais mettre du bois coupé à mort. Voilà. Vous me coupez pas les petites pousses. Ah, oh, ça me coupe les petites pousses. Je peux pas retirer. Il n'y a pas une commande pour... Ah si. Voilà. D'accord, c'est comme ça que ça revient. En fait, il n'y a pas de forestier. Faut juste laisser le tout repos. Repousser, ok. Prédateur repéré. L'ours, il emprunte la route, pardon. Oh, on a une guerrière là. Elle a une arme. Bon. Donc là, on a besoin de énormes. Alors maintenant que j'ai ça, que j'ai la charretterie. J'ai le droit à la mine d'or, à la mine de fer. Alors la mine d'or, est-ce que ça me fait gagner de l'or? Ça c'est du minerai ou je sais pas. Alors. Ouh. Ok, ça m'a dit. On va faire la mine d'or. Allez, on va être fou. Je pense pas que les gens vont aimer être à côté d'une mine d'or. Ça, c'est à l'extérieur. J'ai pas d'or à l'intérieur? Si, là. Ah, oula. Alors, par contre... Ouais, trois flèches. Ok. Et ouais, il y a pas mal de temps de déplacement. Ça, c'est loin, en fait. Mais bon, ça fait tellement de bruit que... Je peux améliorer le bâtiment si j'ai ce qu'il me faut. Ça va se fermer. Voilà. Bon. Deux bonhommes, j'ai combien de chômeurs? J'en ai 8. Je pourrais mettre un peu plus. Collecte de minerais. Et je suppose qu'il faut en faire des lingots. Un rucher, poterie. Une ciergerie. Ok, pour les bougies. Savonnerie, ils ont besoin de savonnerie. Argilière. Bah ouais, mais moi j'ai pas de... Ah, la fonderie, c'est au rang 3.
Ah ouais, alors j'en fais quoi de l'or en attendant? Peut-être que je peux le vendre brut. Alors, au passage, est-ce que... Ah, mes ruchers. Ça me fait effectivement du miel. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est stocké? C'est pas stocké dans ça. Si? Si, le miel est stocké là, d'accord. Alors, peut-être falloir faire un peu plus de ruchers, parce que ça n'a pas l'air de produire des masses. Par contre, ça ne demande pas de main-d'œuvre. Ah, ça c'est bon. Un prédateur. Oula. Toi, t'es un peu loin. Mais il a l'air de courir donc aussi vite que le loup. Donc, ah, le prédateur m'a pas pu rentrer. Super. Alors, il essaye de passer par là. Ou il peut même pas rentrer. C'est fermé. Ah, c'est pas fermé là encore. Mais ah ouais, donc là, je vais pas me protéger. Génial. Du moment que mes bonhommes ne sortent pas. Ah! Ah, bah il l'a eu. Du moment que mes villageois ne sortent pas, ils vont être tranquilles. Et c'est fini, non? Je crois que c'est bon. Oh! Et donc là, je devrais plus avoir de problème, j'espère, pour mes champs. Ah ouais, non, c'est super. C'est super. Et bah, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a bien progressé. Je sais pas si vous voulez voir un autre épisode, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à bientôt!